On se retrouve pour l'épisode numéro 158 de Retour à Million. Alors, on est face à nos usines de shampoing et nos usines de souvenirs. Hein. Ça fait un petit moment qu'on travaille sur ces deux ressources. Et on ne va pas se mentir, elles nous donnent un petit peu de mal. Voilà, le, le shampoing, pour le moment, on n'arrive pas vraiment à stabiliser euh, la, la production. Enfin, on n'en produit pas assez. Normalement, on a assez euh, d'usines hein, pour... Euh, pour, pour ce dont on a besoin, mais malheureusement, c'était la cannelle, ça galérait un petit peu. Alors là, en toute fin d'épisode, euh, à la toute fin de l'épisode précédent, pardon euh, on a mis deux bateaux pour la cannelle, ça devrait mieux se passer. Euh, en revanche, en revanche euh, pour les souvenirs, pour le moment, on n'a pas de cire, c'est énorme hein, la cire, il nous faut 27 tonnes par minute. Et du coup, en fin d'épisode précédent, on avait une petite réflexion. Et je pense qu'on va le faire. On a reçu du coton, on a reçu du verre, il nous manque la cire. Je pense qu'on va le faire. C'est de céder du pédologue tropical. Ici, pédologue tropical, il va permettre normalement. Euh, alors, il y a le pédologue tout court. Non, c'est le pédologue tropical qui va nous permettre de booster euh, nos vergers dans le Nouveau Monde et de bien les booster. Puisque toutes les euh, 3 tonnes de marchandises, toutes les trois toutes les tonnes de, de marchandises issues des vergers dans le Nouveau Monde, on va avoir 2 tonnes bonus. Donc, ça booste pas mal, plus 25% de productivité. Je pense qu'il le il faut vraiment. Il le faut vraiment, le pédologue. Donc, voilà, on va partir là-dessus. On va aller le crafter. On va aller le crafter deux fois, même, je pense. Je fais partie des érudits. Hop. En quoi puis-je vous aider Voilà, mais lui, son problème, c'est que euh, le bâtiment, donc les, euh, les vergers, vont traiter du fumier. Et qu'il va nous falloir, à mon avis, des quantités de fumier astro astronomiques pour. Euh, pour, pour nos vergers, donc on va regarder, on va regarder, j'en suis pas sûr, en vrai, on va on va regarder tout ça, donc l'objectif, c'est booster mes productions de cire, mes productions de cannelle et de coco, essayer de les booster ici, dans notre nouvelle, sur notre nouvelle île à Gratcho, voilà, donc mettre ces objets, cet objet-là dans cette corporation et dans, et dans celle-ci, pourquoi pas, et pour ça, il va nous falloir du fumier, donc on va essayer de produire du fumier ici directement, alors, Là, on se lance dans un grand truc. Hein. Ce n'était pas prévu, mais en vrai, je me dis, on ne va pas avoir le choix parce qu'à un moment, pour atteindre le million de population, euh, on ne va pas avoir assez de place sur nos îles. Les, les vergers, ça prend énormément de place. On en squatte déjà une complète et une, euh, et une ici qu'on a, qu a déjà bien entamée. Donc, il faut, il faut trouver des solutions. Alors, euh, il va me falloir construire une hacienda. Euh, il va me falloir beaucoup de briques. Euh, je vais avoir besoin également. Euh, de moteur pour construire euh, l'engrais. L'engrais, ça va me permettre euh, de pouvoir activer la production de fumier. Donc, on va faire tout ça. Alors, on va. Normalement, j'ai des bateaux là. Ouais, j'ai plein de bateaux ici. Je pensais pas en avoir même autant. Okay, on, est à, on a un paquet de cargo. Alors, faut que je regarde. Enfin, on va regarder un truc aussi sur le coton. Euh, alors, j'ai dit, il me, faut, il me faut des moteurs. Ça, c'est clair. Je pense pas qu'il m'en faut beaucoup. Je vais prendre des briques et je vais également prendre des planches en bois. Oui. Hop, alors allez, c'est deux bateaux. On les envoie allez, sur, les sur ma nouvelle île. Hop. Et j'avais besoin de regarder un petit truc également. Je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, dans l'épisode précédent, on avait, fait, euh, on avait fait pas mal. On avait boosté nos productions de coton à Manola. Et on l'exporte un peu partout, le coton. Maintenant, on enfin, fait à Molière et à TP Grandet. Et je voulais juste voir un petit peu comment, euh, sur ma route, comment ça se, se comporte un peu. Le coton. Alors, le coton, il est là. TP Grandet, Manola. Alors, ça a l'air de baisser. Côté. Euh... Au TTP grandé. En même temps, c'est normal. Avant, avant, on avait qu'un bateau full. Qu Et eh oui, j'ai dit, je devais mettre un troisième bateau en théorie. En théorie, je dois mettre un troisième bateau sur cette route. De Et euh, comment ça se passe à Le Molière À Molière, ça monte vite. À Molière, ça monte vite. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un petit 30 ici plutôt là. Peut-être mettre un petit 30 et je vais peut-être le faire comme ça plutôt. En laissant deux bateaux. Parce que j'ai peur, je vois que dans le nouveau monde, ça baisse pas mal aussi hein, le coton là. On va essayer comme ça. Il va falloir surveiller un petit peu le coton ici. J'ai peur que. J'ai peur que ça tombe beaucoup euh, ATP grandé en fait. Il hein. faut que je regarde, faut que je pense à regarder. Faudra penser à regarder. Ok, donc on va euh, sur ce délire-là de, euh, de fumier avec le, le pédologue qu'on a lancé. Donc c'est parti. On va se mettre une hacienda déjà. On va la caler là. J'avais des resté. Hop. Alors il va falloir que mes bateaux arrivent. Ils sont pas encore là. Mais ben, voilà, parfait. On est synchro. Alors, on va caler euh, la fabrique. Alors, je pense qu'en fait, en vrai, la fabrique d'engrais, j'ai juste besoin de la mettre. Et après, je m'en fiche un peu parce que ça va permettre d'activer le fumier. Je peux même ça la mettre la en chance. pause, en vrai. Enfin, je pense. Je ne suis pas sûr, on va voir. Et en vrai, après, il me faut des... Euh, juste des... Euh, des champs d'alpaga, des... Euh pour générer du fumier alors le, le problème c'est que tant que mon pédologue n'est pas terminé je sais pas combien il m'en faut de fumier il va peut-être m'en falloir un bon paquet Donc, il va peut-être falloir organiser ça autour d'une corporation euh, mais euh... alors ce que je peux faire ne garde pas les mains ouais. dans mon je vais changer un peu de stratégie je vais plutôt la mettre là la et là je vais plutôt mettre une belle corpo pour mettre, mes... oh, ah, mais ah, ben il est là. On, on va voir, on va voir ce que ça représente. On va voir que ce que ça représente pour mettre ici plutôt mes, mes élevages d'alpaga Donc, alors attendez, on va aller regarder tout de suite le pédologue. Ce qui veut dire assez curieux, assez curieux. Le petit pédologue, hop. Alors, pour se donner une idée, déjà, on va essayer de se donner une idée de son efficacité. À savoir, la cire, par exemple, je l'ai que là. La cire, pour le moment, je dois pas en produire énormément. J'en produis 5 tonnes. On va voir un petit peu. La cire, j'en produis 5 tonnes. Alors, par exemple, euh, la coco, j'en produis 28 tonnes. Alors, la coco, le problème, c'est que... Bon, on va voir. Je vais le mettre ici. Alors, je vais dégager lequel Le moins... Le moins efficace là, euh, je vais dégager la xénogreffe. Tant pis pour les agrumes. De toute façon, ça ne vraiment pas beaucoup. Je vais enlever la xénogreffe et je vais mettre le pédologue. Alors, bien évidemment, le pédologue, lui, il veut du fumier. Donc là, on n'a pas de fumier, ça ne génère plus rien. Mais malgré tout, sur la scie. Ah oui On est passé de 5 à 16. Donc je triple. Je triple la, le, le rendement. Non, mais ouais, il me le faut absolument. C'est même pas négociable. Je suis assez content de voir ça. Euh, par contre, ça y est, on est parti. Alors, et alors la grosse douloureuse, c'est par contre, le fumier, il m'en faut combien Il m'en faut 25 tonnes. C'est énorme. Donc, effectivement, on ne va pas avoir le choix. On va devoir organiser une corporation avec de la laine. Sachant que la laine, il va falloir la revendre vraiment à la pelle parce qu'on va pas l'utiliser ici alors ça on va le mettre là en fait changer de on peut changer d'avis ça ici pour que ça marche et là on va mettre une corpo effectivement et il va falloir envoyer du fumier alors le fumier en vrai je sais pas en combien de temps il se se récolte par exemple on va aller à pot de rouge et quand même pas mal de pas mal de champs juste pour se donner une idée là le fumier ça va ça va à quelle allure ça va pas vite on va pas se mentir ça va à 14 tonnes on a vu qu'il m'en fallait 25 ça va pas vite le fumier alors j'ai un test à faire parce que Euh, y a un... Je me demande un truc. Je me demande un truc qui peut être trop loup. C'est est-ce que pour récolter du fumier. J'ai besoin d'être dans le rayon d'action. Bah oui, forcément. J'ai forcément besoin d'être dans le rayon d'action de mon ancien. De... de ma fabrique d'engrais. Même si j'utilise pas le fumier dans la fabrique d'engrais, mais que j'utilise dans le. Par exemple, si je mets. Euh... Alors, je vais faire un test, mais. Si je mets ça ici, là. Forcément. Attends, n'importe où, hein, vraiment, euh, je le mets là. Est-ce que j'ai. Oh, pas... Lui, voilà, lui, il me récolte pas de l'engrais de base. Donc, c'est chiant. Effectivement, j'ai besoin d'être dans le rayon d'action. Ça rend le truc galère hein. ça rend le truc vraiment galère parce que ça veut dire que ici faut que soit alors il est assez grand quand même le rayon d'action là on va essayer en fait on va la remettre là il est assez grand non c'est pas énorme hein. c'est pas énorme il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Il va falloir... Euh, il va peut-être falloir avoir un peu de population à Gratcho. chaud Oh là là Ça me fait pas... Ça me fait, ça me fait pas rire, hein. <rire> non, mais si, au euh, fait. Je vais la remettre là, finalement, du coup. On va essayer d'avoir nos premiers... Euh... On va regarder, hein, comment on s'organise, mais c'est... Euh... C'est galère, parce que ça, ça prend un peu de place, déjà ça prend carrément de la place même. Ça marche. On tient le, bon bout. le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Ouais, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix. On va essayer de faire un truc comme ça. Et ouais, on n'a pas. On n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix. Ça veut dire que. Si je veux, alors faut que je regarde un peu là où je peux me mettre, mais c'est pas hyper évident, on n'a pas beaucoup, beaucoup de place. Là je peux en mettre quand même un paquet des. Euh... L'incendie a été maîtrisé. Je peux quand même en mettre déjà un paquet, on va voir, mais il faudrait que je le, le cale comme ça. Mais putain, c'est pas... C'est pas facile mon truc là. Parce qu'il faut à chaque... faut que je le rentre. Ah quoique non, peut-être que je suis pas obligé d'être dans. Mes champs par contre ne sont pas obligés d'être dans le rayon d'action. Il faut que mon, il faut que ma fabrique d'engrais soit dans le rayon d'action de mon hacienda, mais pas forcément mes élevages, je pense. Donc ce qui veut dire que je peux faire ça en vrai. Là, je suis dans le rayon d'action. Ce qui veut dire que je peux faire ça. Et là, je suis pas mal. Et là, j'ai pas besoin d'avoir de la population, en théorie, à gratio. On va le tenter. On va essayer de gagner un peu de place, quand même. Là, je suis à la limite. Donc, est-ce que j'arrive déjà à produire de l'engrais, là On va regarder. Pardon, du fumier. Alors, il me faut ça. Ah, il va falloir être efficace. Hein. C'est clair et net. Fabricant de pancho. Euh, non Pourquoi j'ai mis les fabricants de pancho je veux, le, je veux la ferme, moi. Alors, oui, on fabrique bel et bien du fumier, c'est super. Il va falloir réfléchir à un... un pattern efficace. Alors, on en produit. Ouais. On produit un fumier. Toutes les 3 tonnes de laine d'alpaga produites. On produit de la laine d'alpaga en 30 secondes. Donc, j'ai plutôt intérêt de booster, effectivement, via ma corporation. Parce que sinon, on n'a pas fini. J'ai plutôt intérêt d'avoir le silo à maïs. Bon, c'est clair on se lance dans quelque chose de grand là alors bah ouais mais on n'a pas le choix en vrai on n'a pas le choix j'ai vraiment besoin de ces euh, de booster là sinon euh, ça va prendre trop de place sinon ça va prendre trop de place on n'a plus le choix on s'adapte on s'adapte on savait qu'il y aurait des galères on est, on, est, on est dedans là. Euh, donc, ok. Euh, ouais, je vais regarder au niveau de mon. Alors, je vais faire deux choses. C'est. Euh, il va me falloir. Que je revende de manière continue. Mon. Euh, ma laine d'alpaga. Parce qu'on va en produire vraiment beaucoup. Et en vrai ce que je pourrais faire, c'est direct faire une route. Route commerciale. Alors je pense qu'en plus j'ai un dirigeable. Je vais carrément mettre un dirigeable. Je vais pas y aller. Enfin, je vais y aller fort quoi. Est-ce que j'ai un dirigeable Ouais, le flétant là. Parfait. Ah non, ou... ouais, ou l'arbousier. Alors là on est parti. On prend toute la laine d'alpaga. On n'a pas besoin de cette laine. Hop va bah, se régaler, lui. On revend tout. Je commence par le plus facile, en fait. Hein. Je commence par le plus facile, en vrai. Interne. Nouveau monde. Bon, en vrai, c'est bien. Ça fait, euh, ça fait explorer une nouvelle mécanique avec le pédologue. Et on voit qu'elle est assez efficace, quand même. On voit qu'elle est assez... Alors, il va me falloir, bien évidemment, du maïs. Alors, du maïs, on va l'exporter. Et par contre, avant d'exporter le maïs, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma corporation là. Alors, est-ce que le fumier là, il est bien ouais, Il est en cours de production, c'est parfait. Il est bel et bien en cours de production. Euh, alors, pour mes élevages d'alpagas, qu'est-ce que je vais avoir besoin Avoir besoin de certaines choses. Euh, comme objet, on va regarder. Élevage d'alpaga. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre le mieux Ou à la limite, est-ce qu'on n'a pas un objet, j'ai pas regardé, qui génère du fumier. Par, par un merveilleux hasard. Ah Les élevages de Sanga et les élevages de chef, super. Les élevages de l'ancien monde. Alors, lui pourrait être, pour être utile en vrai pour générer de, du fumier dans l'ancien monde. Et le dernier, c'est au lieu de fumier, le bâtiment de traite gaz arctique. Alors, c'est vrai qu'il y, y avait elle, la chimiste de synthèse, qui aurait pu être utile en vrai. Dans le sens où. Mais je suis pas parti là-dedans, quoi. Dans le sens où on aurait pu donner du gaz à Pochodoro et utiliser le fumier de Pochodoro. Ici, au niveau de mes vergers, mais bon, je suis pas parti là-dedans. Donc, nous, on a, de toute façon, on n'a rien pour générer du fumier automatiquement. Alors, par contre, on veut Alpaga, les élevages. Affect tous les élevages. Alors, lui, il est bien, mais il est chiant parce qu'il me génère encore plus de laine d'alpaga. Mais il est quand même. Il fait quand même plus 100%. On l'a au grand comptoir. Tous les 1 tonne, il me génère 3 tonnes de laine. Ouais, mais ça va, être, ça va être trop chiant à gérer ça. Parce que je vais avoir trop trop de laine de, de créer. Donc non, on ne va pas prendre lui. On va prendre, on va prendre les parcs d'engraissement. C'est les meilleurs de toute façon. Les 3. 70. Ouais, les 3 parcs d'engraissement. On y va. Institut de recherche. J'en ai, ai déjà un à Cronfall. Bon, lui, je ne l'ai pas. Donc, j'ai le parc d'engraissement excellent à Cronfall déjà. Et c'est tout. Bon, je vais, je, vais, je vais refaire les trois de toute façon. Sachant qu'il faut que je mette lui en dernier. Alors, développement d'objets. Les parcs d'engraissement, on y va. Le fabuleux. Celui-ci. Et celui-ci. On est parti. Ok, parfait. Alors, on va se mettre. Euh, on va regarder comment on amène du maïs ici. Important. Alors, on a du maïs. On a deux bateaux. Euh, salsa verde Cronfall. manola manola on en a pas mal du maïs en vrai on pourrait se faire un petit crochet côté euh, côté ici là. gratcho tac pour poser un peu de maïs en vrai on va en poser cinq aussi le peuple célèbre vos qualités de dirigeant parce que je vois que pour le moment Oula par contre il me fait un truc bizarre là ma route euh... elle fait un truc bizarre ma route ah non ça va elle va d'abord à Cronfall Alors alors, elle part d'où Elle parle de salsa Verde Ah non elle peut aller d'abord à Grojo ouais comme ça c'est mieux elle part de salsa Verde Elle va à Grojo à Cronfall et puis elle revient ici ouais. okay, on va on va essayer comme ça on va essayer comme ça alors, on va... Euh, tant qu'on est là, j'ai dit, il faut que je surveille mon coton. 1800. TP grand D, 695. Et Molière, on est à combien Et Molière, on est bien, ouais. On est très bien. Ah, mais à Molière, en même temps, c'est normal. C'est normal qu'on soit bien en coton en Molière, vu qu'on vu qu ne produit pas, pour le moment, euh, les souvenirs. Donc bon, c'est à peu près normal quoi. Donc bon, on va continuer bien de surveiller le coton, Il faudra peut-être mettre un troisième bateau. Alors, pendant que tout ça se met en place, le maïs c'est bon. Euh, je, je viens de le faire, mais je, à chaque fois, j'aime bien vérifier. Ouais, c'est bon. On va passer à gros chaud. Pour donner un peu de maïs, parce qu'il va quand même falloir pas mal. Bah ben, là, on va tout simplement multiplier, mais... Euh en vrai, on va pas avoir le choix. Multiplication. On va mettre un maximum. Autour du rayon d'action de ma corpo. Alors là, je pense que je peux pas faire mieux en vrai. De ce côté-là, on touche les trois. Alors, pas d'entrepôt à porter. Ah oui, il faut un entrepôt, bien sûr. Il va falloir même plusieurs entrepôts. parce ce que je pourrais faire... Un bonus Hop, on va se mettre comme ça. Elle marche, là Ouais, production en pause le fumier on a dû en augmenter un peu là on doit en produire tellement du fumier pourquoi on n'a pas de production de fumier là je comprends pas alors peut-être que je crois que je rentre plus dans mon rayon d'action là oui si c'est bon ah non j'y étais plus effectivement c'est ça Alors, dans l'idéal, dans l'idéal, je vais essayer. Dans de vos je vais voir un petit peu comment je m'y prends là, autour de cette corpo. Euh, J'ai calé un petit entrepôt là. Alors, je viens de mettre le mettre un peu plus bas, peut-être. même des routes des routes pavées. Histoire de ne pas être embêté. Ça marche. On tient le bon bout. Ok. Ça y est, on commence à voir les objets. A été aïe 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 ouais, là je je, je pensais pas qu'on allait galérer comme ça. Ah c'est chiant parce que là je peux pas trop trop me décaler je pensais pas qu'elle me gêne mon hacienda c'est pas grave on va regarder à le faire en haut dans un premier temps hop pénurie de marchandises ça va arriver essayer d'en mettre le max hein, de toute façon j'ai pas le choix bon je suis curieux de voir quand on aura rempli euh, toute ma zone d'élevage d'alpaga si on arrive à À fournir assez de fumier pour pour mes pédologues là. Vas-y, je peux encore en mettre une, si on voulait. Après, on va être au bout du bout là. Prendre du maïs, donc il va falloir pas mal déjà, non non, ça va qu'une tonne. C'est vrai que les silos, ils sont peu consommateurs, ça c'est plutôt bien. Euh, j'ai pas mis les, j'ai pas mis les champs. Hop, j'ai mis clic. Ok, on va voir où on en est au niveau de mes objets. Alors. On est en train de crafter les trois trucs d'engraissement. J'espère qu'il y en a. Ouais. Il y en a un qui est fait. Il y a le deuxième qui va être fait. Du coup j'aurai les trois vu qu'on en avait un en stock. Donc c'est plutôt plutôt bien. Tiens, je vais déjà le mettre là. Essayer d'accélérer. C'est ici. Ah j'ai encore un... Ouais. J'ai un autre pédologue à mettre. Alors retour dans le nouveau monde. Ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas encore reçu le maïs dans le nouveau monde. Hop, on n'a pas encore reçu le maïs ici. est Alors ça y est, lui, il va faire son premier aller-retour avec la laine. Alors, le fumier, on en produit combien là déjà Putain, on en produit. possible, on ne peut pas en produire que 4 tonnes. C'est beaucoup trop lent. Je ne sais pas si on ne se lance pas dans La un truc. Dans non, oh, se... si, si, oh, on en. Soyons optimistes, soyons optimistes. on va se lancer dans le truc impossible, mais on n'a pas encore. Euh, les silos ne sont pas encore activés. Là, on va mettre les parcs d'engraissement déjà. Ça devrait mieux se passer. Là, déjà le fumier 10 tonnes voilà 10 tonnes ça devrait devenir peut-être même 20 dès qu'on va avoir les silos qui vont se mettre en route par contre le maïs pourquoi là ça ça arrive ou quoi sous mes bateaux ah voilà il a le premier qui arrive et le deuxième il va suivre aussi donc très bien Euh, en vrai, non, on devrait peut-être pas faire. On devrait peut-être pas faire euh... peut-être un petit peu exagéré en disant euh... en disant que les, les, le maïs va pas faire doubler. Je pense qu'on va arriver à 15 tonnes avec le, le maïs. Donc on va continuer à mettre des à mettre des champs. Ça marche. On tient le bon bout. Euh, ouais, je vais le caler comme ça. C'était les. C'est ça que je veux décaler. Aïe, 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 j'y arrive pas. J'y pas. On va plutôt le faire comme ça du coup. Tac, tac. Ouais, parfait. On va pouvoir en mettre un là. Un petit silo. C'est un truc de fou, hein, ce, euh, ce chantier-là qu'on est en train de mener. Ok. Mais qu'est-ce qu'il qu lui manque, lui Ah, il lui manque. Mais qu'est-ce qu que j'ai fait Il lui manque des champs, là. Ah, je sais pas ce que j'ai foutu. Je sais absolument pas ce que j'ai foutu. Je sais que j'avais euh, géré, mais pas du tout. Vu qu'il manque toujours les deux champs là. Alors là, ça me prend tout à chaque fois, ça prend. Alors, lui, je vais le péter. Mais c'est ce que je vais arriver à les caler. C'est pas sûr. Hein. Alors, ça sera plus simple. Je vais faire comme ça. Hop. Et non, lui, j'arrive plus à le caler là. Alors, ce qu'il faut que je fasse. Réfléchir un petit peu. Votre peuple commence à tomber malade. Je vais décaler de un, là. Et là aussi. Et là on devrait être pas mal en théorie. On va arriver à faire ça. Alors on remarque tout à l'heure, non, c'était plus smart de le jouer en fait. Plutôt. Comme ça. Et comme ça. Et là normalement j'arrive à... Faire un truc un peu mieux. Alors là, le problème c'est que je m'éloigne de ma courbeau. Et voilà, j'y suis plus dedans. Ouais, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ah, mais non, mais il m'en manque là. Il manque un. Ce Tetris. Ah bon, on va le mettre là, le dernier. Parfait. Ok, là on est bon. Et en plus, ah par contre, où je suis en galère, c'est que j'ai pas d'entre pour la porter. Et là, je peux plus passer. J'ai plus de route. Ah, une il me manque une case. Que j'arrive à faire quelque chose là en faisant ça. Pas sûr, si peut-être, ah si, nice, c'est bon. Et là, je peux passer, et au moins, je peux caler un entrepôt. Le peuple célèbre, vos qualités de dirigeant. On va essayer de le mettre, le mettre au plus proche, quand même. Ouais, bah, ça va être là en fait. Donc là, on est à combien avec les euh, en fumier en production de fumier? On est à 20 tonnes, on est pas mal. On est pas mal. Alors. On est pas mal, mais il va falloir un petit peu réfléchir. À 20 tonnes, c'est pas encore suffisant en vrai. Alors, on a quand même normalement euh, un, autre, un autre parc d'engraissement qui va arriver il doit être fini. Est-ce que ma laine d'alpaga se revend vite et bien ah, ça monte beaucoup. Ça monte beaucoup. Il est en train d'arriver, c'est lui. C'est chaud, hein Alors, il me faut au moins un stock de 800. C'est ça oui. euh, De 400, il faut au moins un stock de 400. On peut avoir 400 là Ouais, on peut avoir 400. On a 500. Il prend tout. Mais ça monte vite. Alors, le parc d'engassement, il est là. On fait encore un plus 70 et est-ce qu'à présent on a assez de fumier, grand mystère 25 sur 25 Donc là on est pile poil. On est pile poil, on produit assez de fumier. En vend ce qui est chaud, c'est que j'aimerais bien avoir. On va pas se mentir, j'aimerais bien avoir un deuxième pédologue ici. Et là c'est tendu. Là, je suis gourmand. On en a mis combien là, autour de cette, de cette corpo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, je suis parti d'où, je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a mis 13. Et là, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le truc, c'est que là, on a la polonisation manuelle. Alors, j'aurais plutôt intérêt... Là on a tout. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. c'est chaud. C'est chaud mon truc. Parce que là, si je mets un pédologue. Il faudrait que je le mette là aussi, hein, le pédologue, hein, c'est sûr. Hein. Mais euh, il va me falloir encore beaucoup plus de fumier. Il va me falloir certainement deux dirigeables pour transformer tout ce fumier, mais bon, c'est... Il, f... il faut le faire, hein. Et après, on re... Et après je re euh... Vous n'êtes qu'une contrariété. Et après je re mes trucs, quoi. Hein. Alors. Et après je re mes vergers parce que là on va avoir beaucoup trop... Si je mets un pédologue ici, on va avoir beaucoup trop de cannelle. Alors je vais quand même... Je vais quand même le faire. Je vais, je vais l'enlever deux secondes ici, le pédologue, là. Je vais le mettre ici. Alors, à la place de quel objet C'est lequel le moins bon Lui, il me fait moins 15%. Il me fait plus 15% de productivité et plus 20% de densité forestière. Et lui, il me fait plus 15%. Alors, c'est lui qu'il faut que j'enlève. Et à la place, on met le pédologue. Par contre, ils ne vont plus tourner à 100% mes trucs-là. Si, tourne à 100%, ils arrivent à tourner à 100%. Alors, il faut que le fumier arrive bien sûr. Le fumier il va arriver tranquillement. Et par contre là, je suis curieux de voir combien je génère de coco. Il me fallait 20 tonnes. et eh oui, j'en génère 49, vous vous rendez compte Il m'en fallait 20. Je crois que j'en étais à 23, 27. On est à 50, c'est énorme. Euh, et de la cannelle. On est à 58. C'est ouf. C'est ouf de chez ouf. Euh, sachant qu'on en a besoin à Molière et à Gueule Noire de la cannelle. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ici deux champs de cannelle. Alors, on en a combien un, On a un, deux, trois, quatre champs de coco. C'est de la coco. On a, cinq, on a cinq vergers coco. Et on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vergers cannelle. Alors, je vais remplacer des vergers cannelle par de la cire. Ici. Euh, également, deux cocos par de la cire. Me fait qu'il me reste alors, si j'ai 4 cires j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cannelles donc ça c'est bien et j'ai 1, 2, 3, 4 cire, mais pas assez d'espace, ouais, elle tourne à ah oui, elle tourne à 43%, elle est vraiment galère, elle. Je vais, en enlever. Je vais en enlever un de verger coco parce qu'à 40% c'est pas ouf. Ah ouais, pourquoi il est vraiment... Ah ouais, il est vraiment en galère quand on le mélange avec la cire, lui. La coco, là. Et ah ouais, surtout qu'on a enlevé un objet. Le peuple célèbre, vos qualités de dirigeant. On va le mettre là, 80, hein, c'est pas grave. Le peuple célèbre vos qualités de dirigeant. Ouais, là, on a mis de la cire. Là, de la cire. Ça avait l'air de mieux marcher. On a enlevé beaucoup de coco. Alors, je me dis, là, je vais peut-être remettre coco. Hop. Ça fait quatre cocos. Là, on a deux cires, trois cires. Et je vais peut-être remettre un cire ici. On va regarder un petit peu ce que ça donne en, en, en production là. Alors par contre du coup il va me falloir beaucoup plus de fumier je pense. Parce que j'avais plus... Et eh ouais 35. 35 tonnes de fumier. 10 de plus. Alors j'ai encore un petit peu de la place autour. On va l'exploiter complètement. Hein. Par contre stockage de sortie saturées. Croisière. Donc là j'ai pas le choix. Il va me falloir un deuxième... Euh... C'est ouf mais il me faut un deuxième... Euh... Euh, dirigeable. Alors en vrai le dirigeable c'est bien si on lui met aussi le... Le mec qui décharge vite en, les soutes là pour aller plus vite. Alors on va crafter un deuxième dirigeable déjà. Mais en plus, on va optimiser. Et on va mettre un... Je crois que s'appelle le porteur de soute Alors, je sais pas si j'en ai des porteurs de soutes en stock. Je pense que j'en avais fait pas mal. Non. C'était je sais plus. Ou le déchargeur de soutes, je sais plus comment il s'appelait. Le chargeur de soutes. Ouais, ben j'en ai pas. Donc let's go, on va les crafter. Chargeur de soutes. Ouais, il va bien lui. On va le mettre deux fois. Alors maintenant. On retourne dans le nouveau monde, ce qui est pas mal de regarder. Alors, on va pas avoir assez d'engrais. Mais par contre, ce que je veux voir tout de suite, c'est euh, combien. Voilà. 35 de cire, c'est bien. La coco, 37. Parfait. Et la cannelle, 35. On est très bien. On va se contenter d'un pédologue pour le moment. Mais comme ça, c'est vraiment pas mal. Sachant que je vais envoyer direct euh, ma cire dans un bateau. Euh, pour faire mes souvenirs. Et on aura tout ce qu'il faut pour faire les souvenirs. Donc ça, c'est plutôt, plutôt chouette. Ça n'aura pas été une messe à faire finalement. Mais on y est. Alors, gros chaud. Molière. Et à Molière, on charge. Euh, pardon, à Grotcho, on charge. La fameuse cire. Alors, hop. Alors, on va mettre un frigorifique, j'espère que j'en ai un. Oui, j'en ai un, parfait. Et on décharge à Molière. J'en ai besoin à ah, nulle part ailleurs, donc c'est très bien. Euh, ok. De Molière. Alors, c'est Cap Nouveau Monde. Ici. Alors, ça sert à rien que je me précipite trop pour faire euh, des nouveaux élevages. D enfin, quoi que je vais les faire, ça sera fait, remarque. Je vais les faire, les élevages d'alpagage. Encore un peu de place. Je n'en ai pas beaucoup. J'en ai un petit peu là de la place. Mais là, je suis gêné un petit peu par mon hacienda aussi. C'est un peu relou, ça. Je vais essayer de les caler là. De toute façon j'ai pas le choix, il me faut du m'en faut plus. Hop, on y va. Ah là, j'arriverai pas à mettre une autre usine, j'arriverai pas à avoir la place pour les modules. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre ceci. Alors, par contre, il va me falloir... Euh, là, j'ai 100, 200, 300, j'ai 400. Il va que j'ai 800 hein, en capacité de stockage ici que je vais avoir deux. Euh... Et là je suis à 500. Il me faut plus de... Il va falloir plus de... De... de capacité de stockage. Ah j'ai plus de bois. J'ai plus de bois. Oh, déjà... Ça faisait longtemps. Tiens on a 9 planches ici. Alors du bois, il va me falloir des briques, je pense. Euh, un truc que j'aimerais bien faire aussi, je vais devoir à mon avis, c'est faire un embarcadère. Et il faut des bois et des briques, du, du bois et des briques aussi. Alors, là on a plein de bateaux. Alors, des planches et des briques. Ouais, des poutres peut-être aussi. Euh, L'embarcadère, on pourrait le faire. Stockage de sortie saturé. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La cire, on va recevoir. Donc, ça, c'est bien. Vraiment, on va pouvoir. Ça y est, on va pouvoir tout. Euh, on va pouvoir faire les souvenirs. Alors. Il va falloir laisser un peu de temps. Ouais, là, il faut vraiment que je mette un, un embarcadère. Parce que ça, déjà, ça commence à attendre. Ça, ça ne me plaît pas. Attendre que mes bateaux, ils arrivent. En attendant, on va se Le faire, un petit, faire euh, de un petit point coton. Un plaisir de vous présenter ok, à Manolo, on a de beaucoup de allez. coton. À TP Grandé, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est bien. Et un petit point shampoing aussi. Les shampoings. Alors, plutôt au niveau des routes, c'est bien. Petit point sur les shampoings. ah c'est très bien. 540 shampoings, donc c'est bon. Les shampoings, plus de problème, c'est derrière nous. Le stock il augmente, c'est plutôt cool. Par contre, ce que je peux faire tout de suite, euh, niveau Cronfall, c'est commencer à mettre ma route pour aller amener des souvenirs. Alors, bah, non, je vais attendre un petit peu parce qu'il faut que j'en amène aussi à Mano là. Je vais essayer de. Je vais y aller doucement. pas faire le fou. Là, on est, on est comment sur le fumier termes de prod on est à 30 sur 35 il en manque encore un petit peu je voulais également regarder le maïs parce que le maïs on a mis beaucoup de silos là ouais c'est deux tonnes de maïs par minute c'est pas c'est pas beaucoup par contre il va falloir encore quelques champs pour faire mon 35 là c'est fou cette histoire là il manque des il me manque des choses, mais ça y sont arrivés mes bateaux. Hop Tac. Alors on va en urgence faire un embarcadère. Ok, ça me paraît pas mal. Pénurie de marchandises, ouais c'est le fumier, il manque du fumier. Ce que je vais tenter de faire, c'est bien si ça, je peux le mettre là. C'est m'arrange un peu comme ça pour pouvoir chance, caler. Ah, il rentre pas. Je dégue... Ah, mais je vais le mettre là. Parfait. Ouais, de toute façon, je pourrais pas en mettre un de plus. Des bâtiments ont été abandonnés à cause de l'épidémie. Je pense que c'était quand même un bon, un bon move, là, de faire. Euh je ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, hein, mais de faire du, du fumier ici pour, pour accélérer, sachant qu'on a un deuxième pédologue au cas où qu'on pourra mettre ici, mais il faudra... Si on met un deuxième pédologue, il faudra mettre une deuxième corpo en vrai. Mais pour le moment on est large, hein, on s'est offert une belle marge hein, sur, euh, sur ce qu'on a mis ici. En vrai, ah bah attendez ici je peux remettre du coup la xénogreffe. Pas sans priver. Alors, ce qui serait pas mal, si j'y arrive, c'est de caler... Ouais, je vais y arriver. C'est de caler... Encore un petit... Ah non, j'y arrive pas. n'y arrive pas. Je voulais caler un... Un entrepôt. Alors, on a un kétosal, là, qui est construit. Alors, il est parti, il va aller sur la route célèbre, la de la laine, là, la route infernale. Laine d'alpaga ici. Hop. Le second souffle, il est parti. Est-ce qu'à tout hasard, mes, euh, mes porteurs de soute, ils sont, ils sont créés, là Non, ils sont pas encore tout à fait finis. On va les mettre. Alors. Autre chose que on va vérifier, c'est est-ce on a tout ce qu'il faut. Est-ce que ça y est, la production, souvenir, la production de souvenirs est en marche. Non, pas encore, la cire n'est pas arrivée. Ah si, bah, elle doit venir tout juste d'arriver parce que je vois 267 en cire. J'espère qu'un bateau va suffire, mais ça y est, la production de souvenirs est bel et bien lancée. Il y aura plus qu'à la cheminer vers, euh, vers Cronfoll. Et vers euh, et vers Manola, bien sûr et puis je vous propose mais bah, du coup qu'on s'arrête euh, qu'on s'arrête là pour cet épisode voilà on a on a du shampooing des souvenirs il faudra faire l'acheminement je vous propose de commencer par ça dès le prochain épisode n'oubliez pas le petit pouce, un pouce un vers le haut salut à tous